Bonjour cher canal, bienvenue à ce nouveau tutoriel en français. Aujourd'hui, nous allons modeler le pendentif que j'ai dessiné il y a quelques jours. Donc, le dessin est ici. Premier élément, la taille réelle. Donc, le dessin a quelques pierres, c'est-à-dire que je vais amener une pierre de ma bibliothèque de pierres. Je vais la trouver sur Blender Market. Bien, ici, le diamant, je vais le centrer comme ceci et je vais le mettre à 2 mm. Donc, ce diamant, en réalité, aura 2 mm. Je sais, ici, ça dit 2 mètres, mais si vous faites de l'impression 3D, vous saurez que Blender a une échelle intégrée 1000 fois plus petite. Donc, de 2 mètres, nous arriverons à 2 mm en impression 3D. Dans la vie réelle, c'est aussi simple que ça. Bien, donc le dessin va être maintenant mis à l'échelle ici et centré à la pierre. Commençons par sauver aussi pendentif numéro 1. Bien, et le diamant dans la vue 3D, donc je vais au matériel ici en bas, vue 3D, je le mets légèrement bleu. C'est une question de visualisation. Maintenant, nous allons faire la monture pour ce diamant. Donc, vue de face, nous allons ajouter un plomb. Bien, maintenant, ce plomb-là, je vais le faire à 7 dixièmes pour avoir une référence. Je vais la mettre. Bien, donc, alors, quelque chose d'important, je vais faire d'abord la version beauté, c'est-à-dire la version du modèle 3D pour le rendu 3D, bien sûr, à échelle réelle, mais c'est-à-dire que les montures vont avoir des proportions qui ne seront pas aptes à la fabrication. Cela signifie que après le modelage pour le rendu, pour la visualisation, je réaliserai des ajustements pour la fabrication, pour l'impression 3D, pour la fonte et pour la réalisation de la pièce en argent, en or blanc, en or jaune, n'importe quel métal adapté à la bijouterie. Bien, je vais adapter ici. Je vais enlever ces bords-là, comme ça, que les bords, je ne reste qu'avec la silhouette et les vertices. Comme ceci. Bien, nous allons réinitialiser tous les éléments. Ici, allons au modificateur. Donc, je vais cacher le dessin. Modificateur de tournevis. Très bien. Donc, l'axe Z, c'est correct. Il n'y aura pas de pas de vis. Par contre, beaucoup plus de subdivision. Nous allons aller à 50. Ici, c'est vraiment moche. Donc, je vais aller au mode Edit et c'est l'avantage d'utiliser des fonctions génératives et non destructrices. Je vais venir beaucoup plus ici. Maintenant, je vais faire quelque chose d'esthétique. Simplement, je vais diviser ici et diviser une fois de plus vers une petite rainure décorative ici. Bien, ensuite, je vais faire quelque chose de similaire ici. Voilà, ici je vais arrondir légèrement. Bien maintenant, pour asseoir la pierre, je vais venir ici. Techniquement, la pierre ne doit toucher que ici à droite et non ici en bas. Donc je vais plutôt rester ici. C'était assez bien depuis le début. Bien, nous avons ceci, le shading auto smooth. Bien, allons voir le modificateur bevel. Très léger à 0,03. Ça dépend de l'échelle. Ceci est la monture numéro 1. Sauvons, soyons heureux. Alors, le diamant, je vais l'appeler raccourci Diams 001. Alors, ici, faisons une copie Shift D ici. Bien sûr, j'ajusterai plus tard. Chaque élément va prendre un miroir basé sur le diamant qui, d'ailleurs, va être le centre de cette création. Ici aussi, un petit miroir. J'ai besoin du contact pour la structure, c'est assez correct. Très bien. Bien, ici, je vais copier sur Y. La pierre ici sera légèrement plus petite. Donc, comme le diamant a 2 mm, je peux la faire à 3 quarts, c'est-à-dire 0,75 ici, pour avoir une pierre de 1,5 mm. Voilà, maintenant, je vais commencer avec les décorations ici en bas. Ajoutons un. Long. Allons en mode Edit, la touche M pour rassembler tout le monde. Au centre ici, et n'avoir qu'une seule vertex. Bien,
Ici, je vais commencer par cette partie-là. Bien, je vais activer la transparence. Alors, quelque chose de très important ici. Nous allons créer des quads. Les quads, c'est des carrés. Alors, les quads, c'est des faces à quatre vertices. Alors, les quads sont importants. Oui. Alors, au début, c'est un peu lent, mais vous verrez que pour la plupart des fonctions de chaperon et de subdivision, par exemple, sont les meilleurs amis des quads. Alors, dans certaines industries, ce n'est pas très important, mais dans le modelage de bijouterie, les quads sont nos meilleurs amis. C'est un peu un cliché, mais c'est comme ça. Bien, une petite explosion ici encore. Bien, ici, je vais faire une subdivision. La fonction mathématique correcte est l'extrusion. Bien, donc ici, je fais les extrusions et j'adapte les positions, le centrage. Bien, donc les extrusions et la mise à l'échelle pour suivre le bord et aussi la rotation. Donc ça, c'est déjà assez rapide, hein. C'est assez efficace comme technique. Alors évidemment, il y a toujours d'autres façons, plusieurs moyens de modeler. Plus tard, nous utiliserons aussi les courbes de Bézier, bien sûr. Allons jusqu'au bout. Alors maintenant, je vais suivre assez fidèlement le dessin. Il y aura des adaptations. Sachez-le, il y a presque toujours des adaptations entre le dessin, entre l'esquisse, la création sur papier et après le modèle 3D et après le véritable bijou. Chaque étape du processus connaît ses adaptations pour des raisons techniques, des raisons parfois d'ergonomie, des fois question de poids, des fois question de prix. Plein de raisons viennent nuancer chaque étape et adapter. Et bon, il faut savoir s'adapter et connaître ces éléments comme bijoutier professionnel à chaque étape. C'est pour ça que je dis toujours que pour faire de la création 3D de bijouterie, il faut être bijoutier d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question d'expérience. Alors, bien, donc maintenant nous allons ajouter un modificateur de solidification. Cet élément va avoir 1,3 mm d'épaisseur. Alors, si vous voyez, certains éléments vont dans l'autre sens. Sélectionnez le tout, Alt N vers l'extérieur, tout le monde vers l'extérieur. Ouais, comme ceci. Bien, ajoutons un chaflon et ajoutons des subdivisions niveau 3. Bien, maintenant nous pouvons voir la véritable mesure de l'élément. Donc je peux adapter visuellement les distances. Donc si vous avez des coins qui apparaissent comme ça, des coins moches, assez simple. Parfois, il faut couper le gâteau en deux comme ceci. Et c'est pour cela que les quads sont primordiaux. Si vous n'avez pas de quad, vous ne pourrez pas découper le gâteau. C'est une question de pratique. Et il faut savoir que la pratique l'emporte toujours sur la théorie. Faites l'expérience vous-même. Et je vais aussi déjà mettre le modificateur de miroir, bien basé sur le diamant central, ici. Continuons d'éditer. Donc, polygone, les distances sont très taquinières. Parfois, il suffit de bouger d'un cheveu et vous aurez un coin où vous ne l'aurez plus, comme vous pouvez le voir très clairement ici. C'est pour ça qu'il est très important d'être bien précis. Bien, donc, comme toujours, la division vient nous aider. Diviser pour mieux régner, comme dit l'adage, bien sûr, dans un tout autre milieu. Bien, continuons les détails. Donc ici, je fais déjà du peaufinage, du peaufinage. Alors faites attention avec les peaufinages de ne pas les faire trop tôt. Mais ici, il est déjà nécessaire de faire des peaufinages car je vais faire des divisions. Et si je fais le peaufinage après, ça sera le chenil. Ici, je vais suivre une diminution progressive, très harmonieuse, très important pour le style de cette création. Donc, je viens
favoriser la rondeur au lieu de l'ellipsoïde. Très bien, n'oubliez pas de sauver pour être heureux. Alors, cacher le dessin de temps à autre, car le dessin perturbe la correcte estimation des formes. Ici, je peux faire la chose suivante. Ici, je peux bouger cette partie-là pour tester l'esthétique de la pièce. Alors, ça va changer complètement les proportions. Mais ici, je ne vais pas bouger le centre. Je vais venir bouger l'extérieur. Alors, je vais prendre l'extérieur jusqu'à un certain niveau, ici, et je vais descendre. Donc, évidemment, ceci affecte les différentes grosseurs de l'élément. Bien, ici, je vais adapter la distance du créneau central. Je vais adapter ces positions-là pour assouplir toute la forme. Alors, ce qui est très joli maintenant, c'est que je commence à me sortir du plat, car sachez que le plat est le pire ennemi du bijoutier. Bien, maintenant, je veux des lignes de division. Alors, je vais faire, par exemple, ici. Tout d'un coup, j'ai envie de diviser ici, donc je prends le couteau, et d'ailleurs, je peux faire un clic continu jusqu'à la fin ici. Et voilà. Enter. Et c'est très bien. Voir, je vais faire une coupe ici. Bien, donc maintenant, il s'agit aussi de voir ces distances-là. Adapter les distances en fonction de vos nécessités, de vos divisions. La position, la distance, toujours très importante quand vous utilisez des subdivisions. Continuez à homogénéiser les distances, les positions. C'est votre travail comme modeleur 3D. Mais bon, évidemment, comme bijoutier, quand j'ajuste ces positions, je pense déjà au métal en réalité, au coup de lime, au coup de bock fil, aux soudures, au montage des pierres, au polissage, à toutes les étapes nécessaires pour la fabrication du bijou. Donc évidemment, je ne cesserai jamais de répéter que soyez d'abord un bijoutier et après faites des bijoux en 3D. N'hésitez pas, lancez-vous dans la création de bijoux 3D sans être bijoutier et ce sera un beau massacre. Bien, maintenant, je vais encore couper ici. Très bien. Bien. Alors, maintenant, quelque chose d'important. Cet élément a le modificateur de solidification ici. Je vais l'enlever parce qu'en fait, il perturbe le modelage. Car maintenant, je vais prendre tout le monde. Ceci n'est qu'une surface. Et je vais faire l'extrusion sur Z. Alors attention, faites-la bien sur Z. Alors ici, je vais faire la partie du bas SZ 0 plate. Le bas va être là. Je vais prendre ces éléments ici. Pour enlever du poids, je vais venir ici. Alors c'est pour ça que les subdivisions sont très importantes. Ici, je vais faire une extrusion vers l'intérieur et je vais regarder si nous avons assez d'épaisseur. Sachez aussi quelque chose, évidemment, si vous êtes bijoutier, vous savez très bien que la partie de derrière doit être parfois même plus jolie que la partie de devant. Alors évidemment, si vous n'êtes pas bijoutier, de nouveau, vous ne comprendrez pas pourquoi. L'importance de ce qui ne se voit pas. Bien, ici, je vais adapter derrière. Donc, évidemment, il y aura quelques décalages entre la partie de devant et la partie de derrière. Je suis juste en train de réadapter légèrement la grosseur du cadre. Comme ceci, comme cela. Bien, adaptons ici. Bien, donc, n'oubliez pas aussi que vous pouvez augmenter
J'augmente la profondeur ici. Maintenant, ici, nous pouvons venir travailler des lignes d'esthétique. Bon, peut-être jusque-là. Alors bien, augmenter la hauteur de cette ligne pour faire un effet très intéressant. Bien, et maintenant, nous allons travailler la partie du haut. Nous allons adapter les différentes profondeurs. Ici, nous allons descendre comme ceci. Donc, vous pouvez aller par groupe parce qu'évidemment, la visualisation devient rapidement beaucoup plus compliquée. Mais il est très important de vous habituer au monde 3D. Adaptons la profondeur de façon progressive pour éviter de casser les formes. Donc ici aussi, en arrivant vers la fin, j'adapte la position de chaque vertex. Donc il y a des éléments techniques et des éléments esthétiques. Donc n'oubliez pas que la création de bijoux doit équilibrer les questions. Et c'est pour ça que la formation en création de bijoux est toujours quelque chose de très compliqué. Parce que la plupart des gens sont soit formés très fortement dans le secteur technique, et donc pas assez dans le secteur esthétique. Et le secteur ergonomique ne peut être compris que par les bijoutiers qui ont de l'expérience avec les clients, les clientes. Et donc, évidemment, la formation est quelque chose de bien compliqué, car il faut combiner une quantité de connaissances, capacités et de talents qui en partie peuvent être transmis et entraîner, mais la plupart sont des talents qui viennent de plein de hasards existentiels, donc qui ne sont pas faciles de trouver, impossibles de transmettre. Et donc la formation en création de bijoux est quelque chose de très compliqué. Alors je suis très bien placé pour le savoir. J'ai donné des cours sans discontinuer pendant 17 ans. Heureusement, période de ma vie désormais terminée. L'arrondir comme ceci. Donc, n'oubliez pas de travailler sur tous les niveaux. Bien, ici, je vais assouplir les distances pour éviter ces très moches cassures. Donc, parfois, je vais les garder et parfois, je vais les éloigner. Ces modificateurs sont très sensibles. Bon, heureusement parce que ça permet beaucoup de subtilité dans le modelage ici. Le modificateur de subdivision est très sensible aux distances entre les vertices. C'est mathématique, mon cher Watson. Sa continuité est des fois pour des questions de moins d'un cheveu, des fois c'est des questions de millième. Bien ici sur l'extérieur pour niveler jusque-là et ensuite une progression assouplie. Donc le but ici, la partie extérieure est ronde et la partie intérieure est droite. Ce contraste-là est des plus efficaces au niveau esthétique. Les formes générales ont l'air très généreuses, souples et harmonieuses. Les plats de l'intérieur et l'arrondi de l'extérieur. N'oubliez pas aussi de regarder la partie postérieure pour enlever du poids. Et voilà, cet élément-là est fini. Bien, bien, n'oubliez pas de sauver pour être heureux. Bien, ici, je vais travailler avec les éléments intérieurs d'abord. Bien, ici, je vais garantir un 0,7 de taille. Je vais copier les modificateurs ici, copier modificateur. Ici, je vais réinitialiser tous les éléments et nous allons faire nos extrusions. Alors ici, je vais suivre le bord extérieur de cette flèche. La tête doit bien sûr toucher les autres éléments. Alors ici, nous devrons étudier la question de qui va dessus qui. Ce n'est pas dit d'avance. Le dessin dit une chose, le modèle 3D dira quelque chose d'autre et la réalité encore une autre, comme je le mentionnais déjà auparavant. Bien, donc cette flèche-là, maintenant, question de niveau. Voyons. Pouvons-nous venir, oui ou non, en dessus des pierres? Bien, ici, le miroir, bas, grande. Bien, alors ici, nous allons venir à S0 et 0 sur X. Bien, donc la distance d'union
basse. Point 1, très bien. Bien, maintenant, question de distance. Alors, de toute façon, je vais prendre ces éléments-là et faire une extrusion vers l'intérieur, comme ceci. Ici, 0, et je vais adapter cette position-là. 0, bien, et 0 devrait me permettre de faire la séparation. Si, bien, très important pour obtenir ceci. Alors, ici, je vais adapter la forme de la flèche, de la tête de flèche, très déterminant dans cette création. Donner plus d'épaisseur, plus de largeur à cette partie-là. Et vous verrez que j'arriverai à donner sa place à tout le monde. Mais c'est un problème un peu plus lointain. Bien, ici, le dessin. Au revoir. Tout le monde est sélectionné. Extrusion sur Z. Oh, mais regardez, c'est intéressant. Ici, j'allais niveler les éléments avec un SZ0 pour niveler tout le monde. Mais non, je vais maintenir. Donc, n'oubliez jamais que les heureux accidents sont primordiaux dans le monde de la création. Comme ça, la partie derrière aussi, en fait. Alors bien, maintenant, j'avais consulté le dessin. La flèche, effectivement, touche les volutes principales. Donc, je vais adapter le bord extérieur ici. Et maintenant, la forme. Pour avoir une meilleure proportion de la tête de flèche. Très bien. Ici, je vais prendre ces vertices ici, je vais les cacher. Je vais prendre la fin ici et activer l'addition proportionnelle. Car je vais descendre la queue de la flèche plus bas que les volutes. Ici, je vais descendre encore plus. Nous pouvons voir. Et là, je réduis le cercle pour venir comme ça. En descente, et le fait d'avoir caché les autres vertices protège le niveau du bas. Maintenant, je peux les montrer. Alt H, et le bas n'aura pas été affecté ici. La partie du bas, voyez-vous ça? C'est parfait. Bien, donc nous pouvons toujours adapter les positions sur l'axe Z, car effectivement, cette partie du dessin passe en dessous. Bien, j'ajuste les proportions pour améliorer la forme, la proportion de la flèche. C'est évidemment un élément central dans ce design, dans cette création. Un petit élément gothique, contraste avec les rondeurs. Alors, par exemple, ici, je vais faire la chose suivante. La partie du haut n'a pas forcément besoin d'être la même que la partie du bas. Donc, je vais faire que en bas, je vais donner un déplacement latéral pour d'ailleurs toucher comme convenu les volutes. Là, je peux venir allègrement sous les pierres, maintenir une proportion bien gothique. Voilà. Et le haut de la tête ne touche plus de la même façon entre les pierres et les volutes. Le contact est plus bas, ce qui est très intéressant. Bien, ici quelque chose d'important pour le style de la pièce et justement aussi le style bijoutier, le niveau de bijouterie. Cet élément-là est trop massif, il est moche, on dirait un gros plat. Et ça, c'est nul. Donc, évidemment, il est de mon devoir. Bien, pour remédier à ceci, je vais vue latérale, isoler l'élément. Bien, ici, je vais créer des coupeurs externes. Je vais faire ça par découpe. Bien, donc 1,3 mm en tout cas. Mode Edit. Bien, je vais adapter ici comme ceci. Et je vais adapter les distances. Alors bien sûr, ici, il va peut-être être nécessaire de faire des extrusions, suivre la forme du haut. Quoique, il faudra voir en fait l'espace disponible pour ces ouvertures. Donc ici, je peux même éviter de faire une extrusion. Bien, nous allons aller vers là-bas et nous allons faire une opération booléenne. Alors, bien, voyons la découpe. Donc nous pouvons déjà voir la nette amélioration.
La très nette amélioration de notre plot. Comme je comparais avant à l'architecture, c'est comme pour les cathédrales, les ouvertures latérales apportent plus de lumière et en bijouterie, nous avons plus de reflets grâce à cette lumière supplémentaire. Très important. Donc, les volutes ne sont pas aussi volumineuses, aussi épaisses. Donc, pour l'instant, je ne juge pas nécessaire de faire des ouvertures sur les éléments des volutes. Bien, à cet élément, il va venir unir et supporter. Donc, notre élément ici, réinitialiser la position. Mais quelque chose d'important, c'est que je vais mettre le curseur 3D à 0, 0, moins 1,5 et mettre l'origine au curseur 3D. Car maintenant, nous allons faire le tournevis, le screw, ici, sur l'axe Y. Et la position est correcte grâce au fait que j'ai correctement positionné l'origine de cet élément. Beaucoup plus de subdivision. Cinquantaine. Nous allons ajouter du chaflant. La suavisation automatique ici. Je vais adapter l'intérieur. N'exagérez pas pour ne pas perdre les épaisseurs réglementaires. Bien, je vais faire un petit élément ici et je vais extrure. Alors ici, par contre, je vais préférer un angle comme ceci, adapté. Et ici, je vais donner quelque chose qui n'apparaît pas forcément sur le dessin, une légère conicité. Un des grands avantages d'être le créateur du bijou, le dessinateur du bijou et le réalisateur de ce bijou, je peux tester des esthétiques tant que mes collègues ou mes supérieurs viennent systématiquement empêcher ces tests. L'avantage d'un créateur de bijoux indépendant, c'est que finalement, si mes créations ne fonctionnent pas, eh ben, mon entreprise ne fonctionne pas. Et c'est mon problème. Donc finalement, je suis le seul responsable de mon succès ou de mon échec. Mais c'est pour ça aussi que la création et les tests esthétiques sont très importants. Alors, je vais mettre le chaflant. Alors ici, je vais juste adapter quelques éléments beaucoup plus favorables. C'est très bien, la proportion est très bonne. Voilà. Bien, maintenant nous allons faire ces petites feuilles latérales, ici ces éléments végétaux. Et cette fois, nous allons utiliser les courbes de Bézier. La courbe de Bézier, mode Edit, je vais positionner les points. L'élément de l'image empêche complètement la vue, donc nous allons mettre une opacité à 0,3%. Merci. De retour à la courbe de Bézier. Alors, la courbe de Bézier, nous allons la mettre bien plus haut ici, en dessus de l'image. Bien. Donc, les points de contrôle, 2 ou 3. Des fois, il y en a besoin de beaucoup plus. Mais ici, nous allons subdiviser. Troisième point de contrôle. Eh bien, tout ça sera ajusté au fur et à mesure. Résolution 45. Très bien. Bien, j'ai ça. Ajoutons un cercle de Bézier ici. Prenons ces éléments-là par origine individuelle pour mettre à l'échelle de cette façon, ici aussi pour faire la pointe, et maintenant ici, ici et ici, nous allons maintenant de façon médiane, hein, le point médian. Et voilà, nous augmentons ça pour obtenir cette magnifique ogive. Bien, ça c'est le profil végétal. Car nous avons des végétaux sur les côtés. Bon, profil. Donc maintenant, la courbe de Bézier, géométrie, et prenons l'ogive, profil foliage, voilà. Fermons les fins. Donc nous obtenons ceci. Mais j'ai envie de faire cette partie bien plus maigre, cette partie bien plus grosse. Donc nous avons besoin d'une courbe additionnelle de Bézier qui s'appelle l'affineur, le tapeur. Bien, donc maintenant, cette courbe-là va prendre le tapeur comme référence. Évidemment, nous devons le configurer, mais vous allez voir que ça marche très bien. Et aussi un petit conseil, mettez la fonction multiplier au lieu d'écraser. Bien, donc maintenant, c'est cette courbe-là que nous devons ajuster. Bien sûr, il faut que je le subdivise, car la progression
de l'épaisseur dépend de la position de mes points de contrôle. Ici, nous allons le libérer pour pouvoir faire une cassure. Alors, elle doit être bien plus à droite, bien plus haut, et ici, un peu plus bas. Ajuster jusqu'à obtenir la souplesse nécessaire. Bien, ici aussi, je peux commencer à travailler sur les autres axes et changer la rotation pour augmenter les effets esthétiques des différents éléments. Cette partie en dessus de la fin dévolue, comme ceci, comme cela. Et maintenant, je peux peaufiner la forme. Bien, ici, ajoutons le miroir basé sur notre diamant central, comme ceci. Alors, un des avantages de travailler avec des courbes de Bézier, c'est que je peux multiplier la courbe dans le même élément de Bézier et je vais obtenir exactement la même progression grâce à la courbe de Tapper. La courbe de progression. Bien, ici, maintenant, c'est une question d'espace. Alors, quelque chose d'important que j'ai mentionné au début, c'est que j'ai mis la fonction multiplier. Ce qui permet de réduire le rayon de la courbe et d'adapter sa taille. Donc, d'où l'importance d'utiliser l'option multiplication. N'oubliez pas d'ajuster les rotations si nécessaire. Très bien. Et nous avons encore un troisième élément, comme ceci. Bien. Et je peux directement venir copier ça ici. Alors l'élément ici n'est pas le même. J'aurais peut-être besoin de plus de division. Bien, alors ici une question ergonomique. Je vais adapter cet élément-là. Je vais faire la pièce à plusieurs niveaux. Donc je vais la séparer ici. Appelons ceci décoration du haut. Et évidemment celle-ci décoration du bas. Original le nom de mes éléments. Bien, maintenant continuons ici en bas. Alors ici il y a un petit élément qui vient séparer. Je vais copier les modificateurs de la volute. Ici c'est les mêmes. Voilà, très bien. Bien, ici nous allons couper en deux une extrusion sur Z. Ici je vais l'inverser, SZ moins 1. Ça inverse la forme, c'est très pratique sur Blender. N'oubliez pas de vérifier l'intérieur ou les intérieurs. Il y a toujours des petits pièges, très prévisibles, mais souvent on les oublie. Ne mentez pas, ne mentez pas. Je sais très bien que vous les oubliez tout aussi souvent que moi, les intérieurs. Je vous connais. Ah, c'est très joli. Alors bien, ici, je vais copier l'élément. Et bon, on gagne du temps d'un côté, on perd du temps de l'autre. C'est pour ça que l'efficacité, c'est quelque chose qui me fait toujours rire. Ou les gens qui ne pensent qu'à gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Voilà, c'est multiplié ici. Je crois que je vais aussi le multiplier. Alors, L, Shift D, on finit par perdre du temps à essayer de gagner du temps. C'est une loi universelle. C'est l'ironie de la vie, en fait. Et c'est-à-dire que le temps, les Suisses, est quelque chose de sacré. Le culte du temps en Suisse est quelque chose de la précision. De la formation de la précision suisse, justement, évidemment, ma formation en Suisse comme bijoutier, j'avais déjà aussi cette discipline et je l'ai pas perdue. C'est le grand défi d'être né et d'être élevé sur des cultures aussi extrêmes et opposées que la Suisse et le Mexique, hein. Et toute la joie et tous les malheurs aussi. La fois, tous les extrêmes sont là. Alors, le but ici est d'ajouter une petite chaîne. Oui, je la ferai à la main parce qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 petits anneaux qui vont être créés ici avec le torus. Alors, la taille. Alors, du fil à 0,2. Dans la birelle, je peux descendre à 0,4. C'est évidemment une chaîne très fine. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Bien, donc évidemment, nous allons nous accrocher ici. Alors, Shift D, ici, rotation sur Y, 90 degrés. N'oubliez pas de vérifier la position ici. Bien, maintenant, je vais copier ça. Alors ici, en fait, il n'y a pas la place.
Cet élément-là doit être ovale. Donc je vais venir ici pour le faire ovale, comme ceci. En réalité, cette petite chaîne sera faite à la main parce que je ne trouverai jamais une chaîne préfabriquée de cette taille-là. Voilà, cet élément-là est celui qui arrive à la perle parce que je veux une petite perle ou une petite pierre. J'ai besoin d'un élément central pour porter la perle ou la pierre. Bien. Je vais mettre le centre au centre. Très bien. Et ici, je vais ajouter ma perle. Je vais mettre le curseur à l'élément, ajouter sphère. 3 mm. Bien. Ici, j'ai besoin. On ferme cette position-là avec, voilà, une petite sphère fermée ici. Bien, ces éléments-là maintenant peuvent être unis. Je vais les sélectionner. CTRL-J. Voilà, comme ça. Et je dois adapter la position de ces éléments ici. Je vais les agrandir en fait. Bien, donc ici, un miroir. Joli miroir. À partir du diamant initial. Bien, maintenant l'élément de la pive. Appelons ça une pive. Courbant de Bézier. Donc voilà, je fais la forme, je fais un profil. Depuis les origines ici, j'ai besoin que le carré soit tourné sur lui-même de 45 degrés. Donc ma courbe ici va prendre cet élément-là. Je vais mettre l'origine ici à la pointe en fait. Origine à curseur 3D, merci. Et ici, déformation simple sur Y, 360 degrés. Bien, maintenant, nous allons mettre une table à partir d'un objet qui n'existe pas. Élément vide ici. Donc, la multiplication va être à partir de cet élément vide. Et cet élément vide, il est important de réinitialiser toutes les transformations. Et l'élément vide peut faire sa rotation sur Y. Qu'est-ce que c'est joli? Alors, 360 degrés divisé par 24. Corriger ça, je vais augmenter la taille de ça. Bien, ici, je peux adapter la fin. Doit être ici, c'est parfait. Très bien. Donc, je fais la copie, je la transforme en polygone et je fais moins 1. C'est. Copier cet élément-là sur Y, M au centre pour fermer la pointe. C'est très bien. Une petite calotte de pointe. Alors, quelque chose d'important à mentionner maintenant, c'est-à-dire que la pipe sera fabriquée en deux parties pour la faire creuse. C'est une des meilleures options, surtout que je la fabriquerai peut-être en or. Pour augmenter la mobilité de la pièce, qui est toujours quelque chose de plus attractif. Et maintenant que vous le dites, bien, donc j'ai adapté la position de la pive, car je parlais du mouvement dans un bijou. Bien, et maintenant la partie du haut, donc nous avons besoin d'une pierre marquise. Donc, et nous cherchons notre bibliothèque de pierres. Vous pouvez la trouver sur Blender Market. C'est une excellente façon d'appuyer ma chaîne, mes créations et mes tutoriels. Voilà la pierre marquise. Ici, nous allons l'agrandir pour voir la taille réelle sur le dessin. Donc, une taille standard sera de 3 par 6. Ça, c'est une taille commerciale. Le matériau de diamant ici. Bien, maintenant, nous avons besoin de faire la monture de cette pierre. Donc, nous allons copier la pierre. Donc, je vais au mode Edit sur la copie de la pierre. Toutes les vertices du milieu. Donc, je vais utiliser directement la pierre pour faire la forme de la pierre. Une technique très efficace. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une très bonne topologie de la pierre en question. Vue latérale, je peux prendre ce niveau-là, LZ0. Inversons la sélection, LZ0. Descendre un peu ici. Alors, bien, ici, nous allons. Une exclusion sur Z, nous allons suivre la pierre ici, c'est bien. Alors maintenant, ici, nous devons ici au rebord de la pierre le modèle pour la visualisation.
Donc les montures sont trop petites, pas assez hautes, surtout pour la fabrication. Donc n'oubliez jamais qu'évidemment je prends ça en compte, donc vous devez prendre ça en compte, c'est très important, c'est très élémentaire. Alors je le prends évidemment bien en compte. Et donc ceci est le modèle pour la visualisation. Le modèle pour l'impression 3D et la fabrication de la pièce doivent être ajustés. Et je ferai cela, mais pas dans cette vidéo. Et ce niveau est ce niveau-là, et nous faisons le pont ici, le bridge edge. Voilà, je vais sélectionner ces éléments-là. Je vais les monter légèrement. Bien, maintenant, je vais ajouter les connexions qui seront de petits anneaux. Bien, donc ici, il y a quelque chose de très intéressant qui peut s'intégrer dans les formes végétales ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le copier sur Z comme ceci et comme cela. On va voir assez de mouvement. Bien, maintenant, j'ai besoin d'un petit pont. Cylindre. Voilà. Connexion de niveau à niveau comme ceci. Une copie là-bas pour l'équilibre. Allez toujours vérifier les petits détails. C'est votre travail, c'est notre travail comme créateur de bijoux. Le détail, l'importance du détail. Donc, si vous négligez les détails, vous ne serez jamais, et là, ayez-moi sur parole, vous ne serez jamais un bon créateur de bijoux. Donc, ne perdez pas votre temps. Si les détails ne vous intéressent pas, ne devenez pas un créateur de bijoux. Surtout pas, faites autre chose. Faites de la pâtisserie, faites du tennis, ce que vous voulez. Mais si les détails vous exaspèrent, ne devenez surtout pas créateur de bijoux. Ça vous fera bien fou et ça sera mieux pour tout le monde. Bien, n'oubliez pas d'aller regarder à l'intérieur, comme toujours, ici. Bien, et adapter l'espace. Comme ceci, j'aurai plus de mouvement. Il me convient. Le mouvement est toujours très bienvenu dans ce genre de pièce. Même s'il ressemble à l'autre volute, cette volute-ci est différente dans son profil. Et en plus, elle est solide. C'est-à-dire que il sera bien plus rapide de commencer depuis zéro pour créer cette volute que de faire une copie. Bien, donc, ajoutons un plan. Voyons la hauteur. Ah, c'est bien. Bien, je vais adapter la taille directement ici. Donc, je dois être à l'intérieur de la monture du sertissage de l'autre pierre. Nous allons suivre le dessin. Bien, donc ici, dans un premier temps, je vais simplement faire mon extrusion. Donc, cette volute-là, en fait, est plus simple que l'autre. Donc, je ne gagnerai rien du tout à copier l'autre volute qui est beaucoup plus élaborée. Bien, cette pièce est maintenant évidée. Légèrement, mais ça améliore de toute façon l'esthétique. Et je vais procéder à l'élever ici. Voilà, donc n'oubliez jamais de regarder la pièce derrière et la réalité en face. Ne compliquons pas quelque chose de simple. Toutes les transformations à zéro, un miroir sur X. Et voilà, ici en haut. Donc en fait, je vais adapter cette position pour que la pointe de la marquise ne perturbe pas le cercle et la monture de cette pierre. Si je vais venir suivre le dessin, donc ici coordonnées 0 sur X et je vais faire des extrusions. Une fois que vous connaissez la technique, le processus est toujours le même, mais de toute façon, faut-il encore le faire? N'ai jamais gagné d'avance. Bien, ici, une extrusion sur Y, une mise à l'échelle sur X. Bien, je vais faire une extrusion sur Z. Ça aide à donner de la structure à la pièce. Ici, je vais adapter l'esthétique de la façon suivante. Je vais faire des ponts. Au lieu de faire des coupes, je vais faire des ponts directement au modelage. Donc, je vais venir à cette hauteur-là, je vais prendre l'élément, je vais le copier sur Z, ici en bas. Bien, donc maintenant pour faire les ponts, je viens sélectionner les faces et les faces opposées,
Comme ceci, et nous faisons la connexion des ponts. Le même processus, je vais faire quelques ponts avec des distances judicieuses. Il faudra voir. Revenons à la fin ici. Donc que les ponts soient assez solides. Un pont là et ici au milieu. Attention de sélectionner les faces correctes. Voilà, c'est très bien. Donc vous pouvez voir que cet élément-là est beaucoup plus agréable à regarder. Bien. Ici en bas, je vais profiter de l'occasion pour faire une petite connexion solide vue de dessous. Je vais faire une extrusion ici. Rotation. Extrusion. Extrusion, rotation, mouvement. Si je vais adapter sur X pour faire un finissage tout en douceur. Bien évidemment, je n'ai pas envie de cette cassure ici. Comme j'ai suffisamment de hauteur ici, je n'ai pas besoin d'autant de grosseur. L'élément peut rester plus fin. Bien, ici, je vais supprimer les faces. Je vais procéder à ces ouvertures-là. La fonction de connexion des ponts ici. D'adoucir l'arrivage ici jusqu'à ras-bord. Je peux adapter et conserver la forme de cet élément sans trop de problèmes, heureusement. Donc, je n'ai pas forcément besoin que les ponts soient tous de la même taille. Ça serait, c'est une possibilité, mais je veux plutôt que le dernier pont soit plus grand que le premier. Comme ça, j'aurai une progression. Je préfère les progressions aux répétitions. Et ceci dans tous les domaines. Continuons avec le dessin. Donc ici, j'ai quelques petits éléments décoratifs très similaires à ce profil-là. Donc je vais copier. On va au mode Edit. Bien ici, cette forme vers le haut ici, comme ceci. Bien donc, par exemple, depuis le haut, cet élément semble cacher cet espace ici. Donc n'oubliez jamais d'observer vos créations sous tous les angles, parce que la progression ici est même mieux que prévu. Bien, les éléments principaux sont résolus. Procédons au modelage des derniers éléments ici. Donc, je vais prendre ceci, je vais le copier par là. Je sélectionne le tout, M au centre, une vertex. G, extrusion, extrusion, rotation. Extrusion, rotation, extrusion, rotation, extrusion, rotation, rotation, extrusion, rotation, extrusion, extrusion, rotation. Alors, la hauteur de cette volute vers le haut, par ici. Donc, évidemment, je n'ai pas envie de masquer les belles ouvertures que nous avons réalisées avec autant d'efforts sur le côté, s'il vous plaît. Mais bon, étant donné que ça fait des dizaines d'années maintenant que je fais des vidéos et que je suis encore là, c'est que forcément, il y a quelque chose que je fais bien. Et par exemple, la création de bijoux, c'est mon dada. Des projets nouveaux, des projets différents. Bien, ici, une découpe. L'énorme avantage de faire des quads. Voyez donc la facilité à faire les effets de volume. Et la qualité des effets obtenus, c'est grâce au quad. Conseil d'amis. Donc voilà, conseil d'amis. Si vous ne voulez pas prendre le conseil de l'expert, prenez le conseil d'amis. Et le conseil d'amis vous dit que il faut faire des quads. Mais bon, moi j'ai toujours considéré qu'en éducation, il est préférable de se casser la gueule tout seul. Alors bon, ça c'était une constante depuis que j'étais gamin. Je me suis toujours cassé la gueule tout seul. Et on me disait toujours, ah ouais, tu crois savoir mieux que les autres. Ouais. Alors bon, au début, je m'en prenais plein la gueule. Évidemment, on se foutait de moi, on dit, ah bah tu vois, tu voulais faire le malin, etc. etc. Voilà, on a un pour ta pomme. Mais le résultat, c'est que j'ai appris à faire plein de choses par moi-même, à ma façon, mais aussi arriver à un stade où ma façon est la façon et la façon. Voici la façon de faire. Mais bon, comme j'ai dit aussi, toujours rigoler de soi-même, bien sûr. Il y a des gens qui ne comprennent pas.
J'ai un sens de l'humour. J'ai un énorme humour noir, mais j'ai aussi simplement l'autodérision, le rire de soi-même, qui est en fait la meilleure thérapie et cette capacité à pouvoir rire de soi-même le plus possible et dans le plus grand nombre de situations possibles. Et ça s'appelle la santé mentale. Donc, d'ailleurs, la force mentale aussi, qui permet d'atteindre bien des choses et de dépasser bien des problèmes et de carrément transcender. Et bon, il y a bien souvent plusieurs façons de faire, mais en fonction de certains buts, certaines façons de faire sont plus agréables que d'autres. Certaines sont plus rapides, certaines sont plus agréables. Et ça, c'est quelque chose que je dis bien souvent. Avec les années, je considère que l'agréable est plus efficace que l'efficacité rapide. Justement, l'efficacité rapide a une tendance à griller trop d'étapes. La fin ne justifie pas forcément les moyens. Mais bon, quand vous êtes jeune, favorisez l'efficacité et avec la maturité, favorisez la joie de vivre, le plaisir de faire les choses. Le défi avec le temps est différent, c'est-à-dire qu'il faut continuer à trouver la même motivation à faire les choses. Et ça, parce que bon, moi, des bijoux, j'en ai fabriqué. Justement, on me demande souvent combien j'en ai fabriqué. Et puis bon, ce n'est pas une question de concours, mais c'est juste une question de fait. Et surtout par le fait que je travaillais dans mon école avec mes étudiants. Et quand vous avez des étudiants, vous fabriquez, vous produisez grosso modo sur 20 ans comme bijoutier et maître, bijoutier et professeur. Simplifie ça à 10 000 pièces, 10 000 bijoux. Bien, ici j'ai besoin d'un petit pont. Petit pont, petit pont, petit pont. Alors le petit pont part de cette face-là. Donc extrusion, extrusion. Connaissez extrusion, rotation et adaptation maintenant. Je peux tenir une division ici. Je vais même venir jusqu'ici, étant donné que j'ai fait une coupe très proche de l'autre. Et voilà. Je vais copier cette pièce-là. Je vais l'inverser sur Z. Bien, je vais copier cet élément. Ici, mode edit AM au centre. Je reviens à une vertex. Voilà la forme. Très bien. A, E, Z. La forme intérieure a tout intérêt à être ronde. En ogive, toujours un léger élément gothique, un style beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Bon, cette fois, je vais faire une coupe ici, complète, et je vais faire un SZ. Cette phase de faire passer la chaîne là est très simple, mais est justement très efficace. Bien, et maintenant, la belle heure est arrivée de faire la bélière. Copier cette pierre-ci, commencer à 2 mm. Préférence de la taille, les pierres d'abord, très important. Bien, et la dernière pierre de 1,5. Alors, ce genre de taille fonctionne avec les diamants, c'est-à-dire que ici en haut, nous aurons des diamants 1,75 mm au milieu, qui vont venir en vue latérale. Nous allons ajouter un plomb. Je vais activer le miroir et maintenant pour le plan, je vais mettre l'origine au curseur 3D ici. Donc ceci sera la bélière et je peux commencer à modeler. Donc voilà, ici on va clairement voir l'intérieur. Alors ici, je vais commencer là. Ici en haut, c'est des vertices là, une extrusion sur X, SX 0 pour niveler et position X à 0. Alors ici, on va faire une extrusion sur X à 0 et nous allons fermer ici, commencer à descendre ici, vue latérale, nous allons. Bien, donc ici, je vais faire une extrusion. Donc, vous connaissez le jeu extrusion. Bien, maintenant la taille ici au milieu. Les clients demandent souvent une taille spécifique car ils savent déjà quelle chaîne ils voudront utiliser. C'est-à-dire que mettons un cube. Je vais mettre 4 mm de référence. Bien, donc, nous allons adapter légèrement le chemin ici pour avoir 4 mm garantis pour la chaîne, ce qui est très bien. Continuons. Ici, extrusion
Donc j'ai déjà les pierres qui donnent une légère référence, mais une assez bonne référence pour le développement de la bélière. Augmentons légèrement l'épaisseur ici. Alors il est assez évident que j'adore fabriquer, j'adore créer des bélières et j'adore les fabriquer. Notre bélière, je vais faire un SX0. Maintenant, nous allons faire pencher à droite, comme ceci. Et je vais mettre la largeur ici. Et je vais suivre les pierres. Comme toujours, soyons fidèles au dessin. Donc, ajoutons quelques modificateurs avant de continuer. Alors, le chaflon, comme ceci, et la subdivision, comme cela, trois niveaux. Extrusion sur X, SX0 pour niveler et X0. Fermons cette face-là. F, X, X à 0. 1, 2, 3, 4, F. Alors, ici, vérifie toujours. Je sais que j'ai fermé une face de trop. Enlevez cette face-là. Bien, maintenant, activons le magnétisme ici aux faces, projection sur face. Centré. Aligner la rotation, les éléments individuels si nécessaire, c'est si vous prenez toutes les pierres en même temps, elles vont toutes s'aligner maintenant. Maintenant, donc activer le magnétisme ici. Et maintenant, je fais attraper avec G. Et comme vous pouvez voir, toutes les pierres s'adaptent. Je vais mettre X à 0. 0 sur X. Et une dernière pierre à 0 sur X. Alors, n'oubliez pas d'enlever la magnétisation. Sinon, vous aurez quelques bonnes blagues lors du modelage. Je l'oublie presque toujours, donc je rigole bien souvent. Et vous ferez de même. Ne vous inquiétez pas. C'est un grand classique. Les grands classiques sont incontournables. Maintenant, justement, nous allons procéder à faire ce petit rebord que vous voyez ici, autour des pierres. D'abord le petit rebord et après les grains. Et après, la perforation des positions des pierres. Donc, je vais copier. Voilà, mode edit. Donc, je n'ai pas besoin de l'intérieur. Effacer les vertex. Une de ces options-là est là. L'objet est transformé, ceci, en une courbe de Bézier. Et par exemple, si le bord est rond, nous pouvons déterminer ici une bonne résolution. Et ici en bas, le biseau rond. Et ici, c'est le rayon, en fait. La profondeur est en rayon. Donc, à 0,5, j'obtiens 1 mm de rayon. Alors ici, ce qui est marrant, c'est que l'échelle de la pièce n'est pas à 1. Donc, j'obtiens ça. Je préférerais réinitialiser l'échelle, comme ceci. Bien, donc ici, nous allons avoir un bord qui est déterminé par cette résolution ici. Alors l'avantage de travailler sur Blender, c'est que sur Blender, il est très facile de faire des grains de taille progressive. Nous allons simplement créer notre sphère. Tout simple. Alors le premier grain tentativement à 0,7. Vue latérale pour faire le grain. Donc le grain plus grand ici, comme ceci, sera suffisant. Le centre de masse plus bas pour avoir une tête assez longue pour la fabrication. Ceci est le grain 0,001. Comme le magnétisme ici est déjà configuré, projection surface, référence au centre, voilà. Donc nous activons la magnétisation et nous allons commencer. Je vais venir ici. Alors je vais vérifier la hauteur est bien suffisante. Alors ça dépend les clients et les fabriques et les sortisseurs de pierre. D'ailleurs, le client vous fera toujours une remarque sur la hauteur des grains qu'il veut. Alors il a intérêt à la faire avant. Bien, activons le miroir. Par rapport à la bélière et les grains. Alors au début, je vais faire des grains de la même taille, mais il faut vérifier que le grain ne dépasse pas. Voilà, donc ici, le grain est déjà à 85, 75, 80. Et voilà, nous avons des grains progressifs. Ici, avec l'angle pour bien sortir la pierre. Et maintenant, je peux faire des grains décoratifs. Alors ceux-là, ils peuvent commencer à être plus petits de nouveau. Et le dernier grain ici, X0, et pas de miroir. C'est bon, sauvez et soyez heureux. Bien, maintenant la position des pierres. Je dois faire les perforations. Alors même si c'est une bélière, moi je préfère véritablement perforer
ce qui nous donne toujours plus de lumière. Alors, contrôle J, ceci seront les diams Cooper. Alors, faire l'extrusion ici et à l'échelle sur le curseur et adapter ici. Vous allez voir que les Cooper ont des ailettes un peu bizarres, mais mettons un modificateur de remaillage à 0.07. Très bien, adouci, très bien, et voilà. Maintenant, notre bélière ici va recevoir l'opération boulet N rapide et nous enlevons les coupeurs pour les positions des diables de la qualité dont vous aurez besoin. Je vais prendre les pierres. Donc, je sélectionne les pierres et je les monte très légèrement un dixième de petites ailes latérales de décoration pour cette bélière qui, pour l'instant, est un peu pauvre. Prends la bélière, je vais la copier. Ici, je n'ai pas besoin de l'intérieur. Ici, je vais prendre ceci, prendre cela, et je vais faire l'extrusion sur X, en fait. Alors, prenez le tout, mettez-le à l'intérieur du métal. Et ici, je vais adapter cette deuxième petite aile. Je vais venir, bien, ici, une copie, Shift D, pour marquer plus fortement la division très visible. Les positions pour faire remarquer cet angle là et justement permettre au deuxième niveau de se démarquer également et ne pas être confondu inutilement avec le troisième rang. Donc les finissages, les petits détails sur la bélière pour que les courbes soient harmonieuses entre tous les niveaux. Nous obtenons ainsi une bélière original créé à partir du dessin en respectant le style de la pièce. Justement, il serait très triste d'utiliser une bélière totalement courante par catalogue pour une création de ce style et de ce niveau. Soyez pertinent dans vos créations. Et bien maintenant, la cerise sur le gâteau. Je parle bien de la chaîne. Nous allons modeler la chaîne qui peut être considérée comme un gâteau complet à part entière, car la création de chaîne est un métier, est une spécialisation très intéressante pour les bijoutiers d'ailleurs, comme créateur et fabricant de chaînes. Et commençons. Je pourrais bien sûr utiliser des courbes de Bézier, mais étant donné que... Mais bon, j'aime bien le modelage. Et donc, nous voici ici, réunis. Alors, donc, évidemment, fabriquer des chaînes à la fonte, à la cire perdue. Et bien sûr, certaines personnes considèrent que ce n'est pas la meilleure qualité. Cela dépend évidemment de votre capacité. Donc ici, justement, les finissages arrondis sont déjà un petit avantage et dénotent justement le fait de penser à la fabrication et à l'utilisation et à l'utilisateur final. Maintenant, nous allons couper ici et là. Bien, ici, nous allons faire dissoudre. Dissoudre, couper de là à là. Enter, oui. Adaptons ici aussi avec le couteau. Ce rang intermédiaire fait le tour. Et nous allons monter ici pour donner cet angle. Eh bien, ici, il nous manque maintenant un peu d'épaisseur. Alors, nous allons prendre ce niveau-là, faire une extrusion sur Z. Maintenant, je vais prendre ces niveaux-là, faire une copie sur Z, SZ-1, pour inverser. Et je vais venir chevaucher les autres vertices comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner tout. Et je vais faire fusionner, donc M par distance, distance plus courte, comme ceci, pas trop courte, pour ne pas perdre certains détails. A, Alt N, les normales vers l'extérieur. Donc maintenant, je vais vérifier l'épaisseur ici, 1.6, 1.68. Utilisons le nombre d'or. Ici, nous pouvons mettre le fond en noir, par exemple. Donc vous voyez, sachez utiliser les options de visualisation. Venir voir tout le monde ici. Je vais faire une copie sur place. Mode edit, je sélectionne le tout. Je positionne le prochain marion ici. Car évidemment, maintenant, c'est une question d'union. À 5 dixièmes. Donc, ces petits anneaux seront faits à la main. Bien sûr, je n'imprimerai pas ces éléments de connexion-là. Sont faits à la main
Et maintenant, rotation, positionnement, je n'ai que quelques maillons à réaliser ici. Bien, alors ici, il manque encore un petit détail. Donc ici au milieu, je peux simplement utiliser un cylindre. Donc venons ajouter un polygone de cylindre. Pour le mettre en position correcte, nous devons exactement toucher la bélière. Et en position sur Z, nous allons venir miroir à partir du cylindre. Position exacte sur Z, moins 1,5. Et voilà. Bien, donc je déclare le modelage de ce pendentif comme complété avec succès. Inspiré des rues de Nice, de Cannes et de Monaco, lors de mon voyage au mois de mai 2023 sur la très belle Côte d'Azur. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez profité au maximum. Portez-vous bien et à bientôt.